Ça se passe comme ça, on se réveille un matin et on a plus de 40 ans. Et les dessins animés qu'on suivait, ils ont quasiment 35 ans. Et du coup, on se dit, mais j'avais pas ce jouet quand j'étais enfant. Oh, mais j'avais ce jouet au grenier, je vais le ressortir. Du coup, on va parler des jouets des années 70, fin 70, début 80. Et il y a un jouet qui me faisait rêver, enfant, parce que je le voyais sur des catalogues, mais que je n'avais pas eu et que je me suis acheté dernièrement. C'est l'homme qui valait 3 milliards, la figurine. Et il y avait un truc de fou, c'est qu'il y avait un trou derrière sa tête. D'ailleurs, la figurine est dégueulasse, elle a un trou derrière la tête. Et on peut regarder pour voir par l'œil bionique du personnage. Et c'est juste une sorte de loupe qui déforme. Mais ça me faisait rêver, putain! Autre chose des années 70, on avait le dessin animé de Spider-Man. Et voici une pièce que j'ai retrouvée dans mon grenier, du Spider-Man en latex, encore dans son carton d'origine. Flexi the Amazing Spider-Man. Et dans le même genre, on avait aussi Albator à l'époque. Et j'ai les autres personnages en flexi, comme ça. Bon, ils sont plus flexibles beaucoup. Hein, mais bon. Et chose que nous on adorait à l'époque, c'était ça. C'est le Viewmaster. Là, c'est le dessin animé de Spider-Man, justement, des années 70, que tu mettais à l'intérieur. Hop, tu regardes comme ça, avec de la lumière, si possible. Et ça crée de la 3D. En fait, au bout d'un moment, tu vois l'animé en pseudo 3D. Ça, c'était trop bien. Plein de disques. Le Viewmaster. Voici aussi ma maigre collection de personnages Star Wars jouets des années 70. Et le truc dont je suis le plus fier, c'est ce véhicule. Je me rappelle plus le nom. AT-AT. J'oubliais. Attends. Le vaisseau en métal de Buck Rogers. Une série de SF fin 70. Vous connaissez pas? Regardez quelques images. T'avais un robot qui était un enfant dans un déguisement qui marchait comme ça. Et autour du cou, il avait un médaillon comme s'il était un rappeur dégueulasse avec un professeur en image, une sorte de smiley lumineux. Et le robot faisait Bidi 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 Buck Rogers, Bidi Bidi Bidi, touche ma bite. C'était tout le temps ça. Presque. Forcément, si on parle de jouets des années 70, fin 70, début 80, Goldorak en fait partie. Voici ma maigre collection de Goldorak. Mais là où j'ai une interrogation, à vous, collectionneurs, c'est sur ça. Alors certains vont me dire « Oh, c'est une boîte de Quality Street !» Oui, mais c'est ce qu'il y a dedans. Enfant, j'ai voulu marquer que c'était pas une boîte de bonbons, mais bien une boîte de Goldorak. Sauf que j'avais pas bien visé, vous voyez. J'ai écrit Goldora et j'ai pas pu finir. Du coup, je l'ai réécrit en petit Goldorak. Et là, je sais pas, j'ai voulu effacer un truc. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui me pose problème. Je me souviens de comment ça s'achetait. C'était des petites boîtes en carton format A4 où tous les personnages étaient en grappe et il fallait les dégrapper. Et j'ai ces personnages-là. Je ne sais pas du tout le nom. Je ne sais pas du tout la valeur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Aidez-moi. J'ai entre mes mains Fatalis. Dr. Von Fatalis. Ça s'appelle Les Guerres Secrètes. C'était début 80, mi-80. Les Guerres Secrètes, chez Marvel, c'était le premier crossover de la Maison des Idées. Et c'est là où a été inventé le costume noir de Spider-Man. Quand il rentre sur Terre, il a enfin son costume noir et c'est trop classe. Qu'est-ce que c'est un crossover? C'est mélanger toutes les séries Marvel de l'époque. Et donc du coup, tous les méchants et tous les super-héros se retrouvaient dans une seule grande aventure. Et donc pour le coup, ils ont fait plein de jouets et plein de véhicules qui allaient avec les jouets, dont ce véhicule que j'adorais enfant. Qui est un truc sur une roue, voilà, ça avançait sur la roue et tout ça. Je sais même pas si tu l'as vu dans la bande dessinée, je crois même pas. Il y avait des hélicoptères, des sidecars. Les bâtards, ils avaient fait un hélicoptère bleu et un sidecar bleu pour les gentils, Captain America, et noir pour les méchants, et c'était exactement le même jouet. Exactement. Ils avaient changé les stickers, changé la couleur, et voilà. D'ailleurs, pareil pour les personnages, ici, on n'a que la tête qui change, et le corps est un peu le corps là, mais sinon les bras et les jambes, c'est les mêmes bras et jambes qu'Iron Man. Tous les personnages, ils doivent avoir deux corps différents. Dans les figurines que j'ai un peu spéciales, j'ai Iceberg, qui est nul puisqu'il est juste blanc, et je crois qu'il n'est pas sorti aux États-Unis. Je crois que c'était une version que l'Europe qui avait,
Iceberg. Et il y a quelques personnages rares, je crois que le personnage du Baron Zemo aussi est un peu rare. Si on parle des jouets des années 70, début 80, les Schtroumpfs, c'était quand même hyper important. Et je suis très fier d'avoir la maison du Schtroumpf bricoleur. Tous les samedis, j'avais droit à mon Schtroumpf, ça coûtait pas trop cher. Et c'était hyper joli. Et là, il y en a plein. Je suis assez fier de plusieurs pièces. L'escargot qui traîne le Schtroumpfissime, j'en suis plutôt fier. Et surtout, j'ai Gargamel et Azrael sous boîte. Bâtard. Ça, c'est un truc d'époque. Hein. Tout ça, c'est d'époque. C'est une collection de mon enfance. Là, c'est ma petite étagère avec beaucoup de jouets de mon enfance. Du coup, certains jouets sont dans un état pas terrible. Par exemple, la Madmobile, elle est un peu pétée. C'était les jouets de mon enfance. Et donc là, c'est l'étagère dessin animé qui passait sur France 3 à 19h55 avant le journal. Enfin, on avait 5 minutes d'un épisode de Ulysse 31, 5 minutes de l'inspecteur Gadget ou de Il était une fois l'homme ou Il était une fois l'espace. Et j'ai le véhicule Libellule de Il était une fois l'espace, tout en métal. Les jouets à l'époque, quand même, le métal, c'était cool, quoi. Et j'avais donc Ulysse et Télémaque. J'avais Nono aussi, et j'avais pas les véhicules et les robots, et je les ai achetés un peu plus tard. On continue avec les jouets 70-80. Là encore, c'est des pièces de collection qui sont vraiment de mon enfance. On a vraiment des pièces un petit peu cassées. Bon, voilà, on a du Captain Flamme. Vous allez voir aussi, j'ai un puzzle Captain Flamme. On a du Gundam, gagné dans une fête foraine. On a aussi XOR 002 d'origine, hein, d'époque, en métal. Et le XOR refait dernièrement en jouet. Et surtout, on a ces personnages de la bataille des planètes, la Force G, qui passait à peu près en même temps que Goldorak sur la télévision française. C'est des petits jouets très fragiles en plastique, avec des casques qui peuvent s'enlever. J'aimais beaucoup, enfant. Et en dessous, on a encore les personnages latex de Captain Flamme, la Force G, la bataille des planètes, donc, et Ulysse 31, encore ici. Et ici, on a l'ancêtre de Musclor, Black Star, avec une pierre à briquet. Et ce personnage qui vient de mon enfance, qui est un Batman des années 80, que j'aime beaucoup. Mais dans un état lamentable parce que j'aime beaucoup jouer. C'est le Batman des années 70, quoi. Autre personnage emblématique, surtout en jouet, Musclor. Bon, Musclor, j'en ai pas 12 000, parce que c'est les jouets que j'avais dans mon enfance, que j'ai toujours gardé. Il y a un jouet que je n'avais pas de Musclor, que je rêvais d'avoir. C'est le Château des Ombres, et je me le suis acheté le mois dernier. Il est beau. Juste au-dessus de moi, il y a une cheminée. Enfin non, la cheminée est là. Mais il y a une cheminée avec posé dessus les disques de mon enfance. Je les ai ressortis il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, mais merde, ça aussi, ça a valeur de collection. Et donc je vous laisse regarder un peu ces disques. Maintenant que vous avez vu ces disques, j'aimerais qu'on parle plus précisément de ce disque. Noam, déjà, vous l'avez vu sur tous les disques, il y a son nom partout, il y a sa photo. C'était un mec qui, à la base, ne parlait pas français, je crois, qu'on est allé chercher, et il chantait de manière phonétique les génériques de notre enfance. Voilà, c'est pour ça qu'il a une voix un peu bizarre, et c'est lui qui a fait Goldorak 1, 2, 3, et il a fait aussi Albator, pas le premier, mais il a fait Le Corsaire de l'espace. Et voyez cette pochette, et je me suis rendu compte d'un truc. Je m'en étais jamais rendu compte. Enfant, je m'en étais jamais rendu compte. Là, on est sur Albator. Donc Albator, le corsaire de l'espace. Et on connaît tous ces véhicules à Albator. Mais ce véhicule-là, il n'est pas dans Albator. Ce véhicule, c'est l'Alcorak. C'est le véhicule qui se met dans le dos de Goldorak quand il combat. Et donc les mecs... Enfin, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais je crois bien... Là, c'est le truc qui balance les clavicogires de Goldorak. Et donc, ils ont fait un disque vendu sur toute la France avec une photo de Goldorak et ils ont mis Albator, le corsaire de l'espace. On n'était pas au taquet au niveau des suivis des droits, tout ça, c'est pas... Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les tipeurs qui permettent à l'émission d'expliquer. Merci à tous les tipeurs qui permettent à l'émission... Merci à tous les tipeurs qui permettent à l'émission d'exister et pas forcément ma diction. A plus, ciao. Abonnez-vous, la cloche, le pouce. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo.